pourquoi et comment méditer? Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas méditer. Ça tourne tellement vite dans les pensées qu'elles ont du mal à faire le calme. Pourtant, c'est vraiment une des premières portes pour écouter son intuition. C'est de réussir à diminuer ses pensées et à cultiver de plus en plus cette paix intérieure, à être de plus en plus calme et détendu, jusqu'à un moment où vous pouvez arriver à un endroit comme dans un lac, en pleine montagne, où votre esprit est calme comme de l'eau de source, tout doucement. Quand on arrive dans cet état-là, c'est comme si on a un silence qui est intérieur et ça nous permet de recevoir avec beaucoup plus de clarté les messages de votre intuition. Et vous pouvez même entendre que mon rythme ralentit quand je vous parle de ce sujet où vous pouvez faire le silence à l'intérieur de vous. J'ai mis beaucoup d'exemples dans mon livre sur comment vous pouvez agir à court terme et à long terme pour calmer votre mental, votre esprit en quelque sorte. Et la méditation fait partie d'une de ces astuces. Vous avez plusieurs formes de méditation. Vous pouvez méditer, observer simplement ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc ça peut être sous forme en admirant une bougie, en admirant également une rose, en admirant un coucher de soleil, en vous mettant et en contemplant un arbre que vous aimez. Donc ça, c'est une observation avec une concentration qui va se faire à l'extérieur de vous. Il y a un endroit que j'adore à La Réunion où c'est face au lagon, je suis sur la plage et là j'admire un coucher de soleil. Et c'est vraiment pour moi un temps qui est suspendu, où je peux admirer les couleurs sur l'eau qui vont de orangé, des fois à violet, et juste sentir ce mouvement de l'eau, ce calme à l'intérieur de moi, même si on entend parfois les enfants autour, ou le chant des oiseaux, et puis je peux sentir mes pieds qui bougent dans le sable. Et juste, je me sens détendue à cet endroit-là, et c'est comme si le temps était suspendu, comme si plus rien n'existait, et que j'étais connectée à cette unité, à cette énergie divine. Comme si je pouvais me relâcher et sentir cette connexion à une énergie qui est beaucoup plus grande que moi. Et instantanément, mon stress disparaît et le calme s'installe à l'intérieur de moi. Et ça fait du bien de sentir ce calme intérieur. Et méditer en vous concentrant ou en contemplant un élément de la nature. Ça permet de vous recentrer et en même temps d'être connecté à ce grand tout. Et ça fait un bien fou. Ensuite, vous pouvez vous connecter à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Moi, j'aime beaucoup écouter mon cœur. Donc, je vais juste poser la main proche de mon cœur et me concentrer sur son battement. Pour ceux qui ont acheté le livre, vous pouvez ajouter, il y a une URL, un site web spécifique dans le livre et vous recevez une méditation comment écouter les battements de votre cœur pour ralentir votre rythme. Ensuite, vous pouvez vous concentrer, il y a 10 000 exercices sur la respiration, sentir votre respiration qui passe par le nez, comme s'il faisait tout le trajet. Vous pouvez sentir votre poitrine qui soulève et qui s'abaisse, ou compter. La respiration, c'est incroyable comme méthode, et c'est quelque chose qui vous ramène à l'instant présent. Ensuite, vous avez plein d'autres techniques pour diminuer vos pensées. Ça va être d'écrire vos pensées. Il y a un autre exercice aussi dont je parle dans le livre où c'est quelle est ma prochaine pensée. Et tout ça pour vous aider à retrouver ce calme intérieur. Et c'est simplement en observant également vos pensées sans les juger. Vous avez une pensée qui arrive et vous imaginez, c'est comme un nuage. De temps en temps, vous soufflez sur le nuage et vous le laissez passer. Et moi, en ce moment, j'adore passer des moments, des journées dans un monastère près de Lyon où je peux méditer pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Et au bout de 24 heures, je commence déjà à sentir que
Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se relâche, qui se calme. J'ai l'impression d'offrir des vacances à mon esprit et ça me fait un bien fou. Donc commencez à méditer, apprenez, soyez réguliers, d'avoir un petit rituel tous les matins, ça fait du bien. Et de temps en temps, pourquoi pas quelques stages, quelques journées, vous pouvez simplement vous replier sur vous-même pour ralentir votre rythme, cultiver ce silence intérieur et être juste en présence avec vous-même. Et ça fait un bien fou. Donc osez méditer, apprenez à méditer ou à respirer pour calmer votre esprit.